Et pour l'épée, sire, convient-il que je la forge? Non, maître Colin, j'ai une très belle épée d'Allemagne. Mon épée, je la tiens déjà. Elle est près d'ici, dans l'église de Sainte-Catherine de Fierbois, où je me suis arrêtée en venant. Comment? Où cela? Derrière l'autel, sous une dalle. Puisque vous m'avez donné un bon écuyer, que le brave Jean Delon aille la chercher, mon conseil me l'a dit. Une bonne épée est capable de donner de bonnes buffes et de bons torchons. C'est mon étendard. Dauphin, j'ai voulu qu'on ajoute ici Jésus-Maria. C'est le signe de ceux qui sont pauvres et gens de Dieu, pèlerins toute la vie. Le signe des moines mendiants. Vos évêques ne le connaissent pas. Dans mon anneau, le signe est gravé. Quand cesserez-vous de m'appeler Dauphin? Quand vous serez roi. Quand le roi du ciel vous aura donné votre couronne. Maintenant, sire, mon armée. Donnez-moi vite mon armée. Mon frère, réveillez-vous! On se bat en ville! Jean, armez-moi. Quoi? Armez-moi. Mon frère, il faut que Jeanne reste ici à l'abri. Dites-lui, vous, elle vous écoute. Jeanne. Ne fais rien sans Dieu. Petit frère, mon conseil vient de me dire en rêve que j'aille tout de suite contre les Anglais. Mais je ne sais pas si je dois aller contre leur Bastille ou contre ce Falstaff qui doit les ravitailler. J'ai peur. Moi aussi, j'ai grand peur. Mais j'ai encore plus grande hâte. Charlotte, priez pour moi! Jean, l'étendard! Arrêtez-vous! Oh mon Dieu! Où courez-vous? Ma foi, madame, nous fuyons! Regroupez-vous, fils de pute! Reprenez le combat! Vous savez, les guisermis, il faut des corps, des brûlots et du monde! Beaucoup de monde! Qu'est-ce que vous faites là? Par la mort, Dieu! Monsieur Lahire, ne jurez pas! Les grenons de Saint-Loup ont tenté une sortie! Ils nous les retiennent et nous débordent! Il faut les hommes à pied! Prends tous ceux qui peuvent marcher! Les Anglais ont-ils ouvert leur palissade? Bien sûr, pour passer! Allez, maintenant, rentrez chez Charlotte! Basque, préviens les capitaines! Aujourd'hui, nous prendrons Saint-Loup! Avec moi, tous en avant! Qu'est-ce qu'elle dit? Je prendrai tous les lâches qui ne la suivront pas. Choisissez votre mort, fils de pute. Qu'est-ce qui se passe? On suit Jeanne, c'est tout, bien. Rentrez-les dans l'église. Les godons sont sortis de Saint-Loup, ils viennent sur nous. Il faut se battre. Que peut-on faire, maître Cravant? Pour l'instant, rien. Reste à prier. Venez. Thank you.
Cléry. Viens. Enterrez-les ensemble. Dieu reconnaîtra les chiens. Égoutez-le. Tiens, Pasquerel, c'est Angelo de Lombard. Il est blessé, il vous réclame. La joie ne vient que plus tard. Demain est jour de l'ascension de notre Seigneur. Nous ne nous battrons pas. Je me confesserai. Vous avez fait merveille. Vous êtes la plus brave. J'écrirai encore aux Anglais de partir, d'arrêter tout ceci. Ils ne partiront pas. Alors avant 5 jours, je les aurai chassés d'Orléans. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Merci, petit frère. Que Dieu te garde. Jeanne, touche-la, Jeanne. Protège-nous, Jeanne. Jeanne, ton gantelet touche. Je n'ai pas ces pouvoirs, ami. Mais si vous croyez que je suis envoyée ici par Dieu, vous ne vous abusez pas. Jeanne, tu vas nous donner la victoire. À la grâce de Dieu. Tout le monde. C'est vrai? Même l'Aïr. Les pavois! Amenez les pavois! Allez, poussez! Vite! Les pavois! Où sont les pavois? Push the ladders down! Piqueur, mes braves! Piqueur! En avant! Les grappins! Lâchez les grappins! Oh, the devil! À nous, amis. Amenez d'autres échelles. Dépêchez-vous. Avancez vite. Moi d'abord. Non, Gilles, c'est ma place. Jeanne. Glasgow. Vous partirez tous d'ici, mais tu ne seras plus là pour le voir. Keller. Hey. Jeanne. Again. Which is dead!
Protégez Jeanne! Protégez-la! Attends! Ramenez-la au camp! Aucune échelle ne tient, il faut rompre. Tiens-les sur la porte, ils ne sortent pas. Retraite! Retraite derrière les archers! Repli au pavois! Sonnez la retraite! Pardonnez-moi, Jeanne. Je vais vous faire mal. Non, rien n'est touché. Des linges! J'ai un charme de peau de vipère mélangé à du sang de pigeon. Turlure, soldat. Ni charme ni maléfice, c'est péché. Du lard! Oui. De l'huile et du lard. Comme pour une coupure de faucille. De l'huile aussi, vite! Cooper. Ego te absolvo, ab omnibus censuris et peccatis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Seigneur Dunois! Seigneur Dunois! Quelle nouvelle! Ramenez les brancards sous les murs, dépêchez-vous! Grâce à Dieu, elle est sauve. Rassurez-vous, la vie me tient bien au corps. Soignez-la bien. Les archers n'ont plus de bras, aucune échelle ne tient. Autant dire qu'il n'y a plus d'espoir de victoire aujourd'hui. Je ne sais pas encore. Remettez-moi l'épaulière, s'il vous plaît. Non, Jeanne. Non, c'est fini. Il faut maintenant vous soigner cette épaule. Je vais donner l'ordre de repli sur les chariots. Attendez, monsieur, je vous prie. Jeanne. Nous avons des mois pour affamer longuement cette Bastille. Vous donnez plutôt l'ordre que tous mangent et boivent en se reposant et attendez-moi. Que voulez-vous faire? Où allez-vous? Attendez-moi. Non, Jean, je ne veux personne. La guerre de Jeanne n'est pas la nôtre. Il faut obéir sans comprendre. Transmettez les ordres sans explication. Glace, glace! En avant!
Regarde l'étendard, Jeanne, il va y toucher. Oh, il y touche. Oh, il va, il va. Il y touche. Il y touche. Dedans, mes enfants, dedans. Elle est à vous, le cœur leur manque. Avec moi. Jeanne. Oh mon Dieu. Oh, c'est maintenant que j'ai mal. Elle était absolument à bord de ce sujet éducatif. Il faut me lever cet étendard bien haut. Il a été notre meilleure arme. Tous ces morts, Dunois, tous ces morts. Pensez que vous m'avez rendu ma ville et que nous allons y entrer par le pont, comme vous me l'aviez promis. Je ne savais pas la guerre si terrible. Ni la victoire si belle. J'ai obéi. J'ai obéi. Homme de l'âge, reprenez le combat. Reste, Thomas. Jeanne est blessé, c'est fini, on prendra jamais Paris. Alors ça que pour soi. À Orléans aussi, les Godons l'ont touché. Nous avons gagné la place. Allez, viens, vous l'aider. Avant de fuir, on se leur prie. Sonne! Oh. 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 Qu'on envoie un courrier à d'Alençon! Il nous faut du renfort! Un courrier! Un courrier pour d'Alençon! Thomas! C'est ma faute. Je n'aurais pas dû combattre hier. C'était le jour de la Nativité Notre-Dame, le jour de la Vierge. Le temps nous presse et nous contraint. Voilà! Aidez-moi à monter à cheval. Paris sera nôtre ce soir. Ni ce soir, ni demain. Le roi a donné l'ordre de détruire le pont de bateau. Détruire le pont? Mais c'est une trahison. Interdiction de guerroyer au nord de la Seine pendant 4 mois. Pour certifier cette trêve, le roi remet au duc de Bourgogne Senlis, Creil, Compiègne. Compiègne? Non, il n'a pas le droit. Compiègne s'est donné à lui. Le roi fait déjà route vers le sud. Nous avons ordre de le rejoindre et de repasser la Loire.
L'armée sera dispersée à Gien. Je n'aurais pas dû le jour de la Vierge Marie. Je n'aurais pas dû. Tchoupiban. De tout. L'impureté rentre dans le camp et la victoire déserte et le silence arrive. Malheureuse, tu te perds, Snoop. Père ! Mes compagnons, c'est fini.